C'est le soir du 25 octobre 1923 que le Théâtre des Champs-Élysées levait le rideau sur La création du monde, sous-titré Ballet nègre. La création du monde est née de la rencontre de trois artistes issus de l'avant-garde parisienne du début du 20e siècle, l'écrivain Blaise Cendrars, le peintre Fernand Léger et le musicien Darius Milhaud. C'est à Cendrars que revient l'idée d'écrire un ballet à partir des légendes et des mythes africains qu'il venait de réunir après plusieurs années de recherche dans un ouvrage intitulé « Anthologie nègre ». L'engouement pour l'art africain, que l'on nommait à l'époque et sans scrupule l'art nègre, est caractéristique du début du 20e siècle en Europe. Peu de temps après la publication de son « Anthologie nègre », soit le mois d'octobre 1921, Cendrars envoie une lettre à son ami, le peintre, Fernand Léger. Et il lui mentionne qu'il avait tout près deux sujets de ballet et qu'il voulait faire avec lui une œuvre qui fasse date. Léger répond positivement à son offre et sans tarder, Cendrars se met à écrire un argument pour un ballet. Il est inspiré de la légende des origines tirée de son d'Anthologie nègre. Sous les indications scéniques de Cendrars, Léger commence à dessiner des croquis à partir de sculptures et de masques africains. Pour composer la musique, les auteurs pensent à Darius Milhaud, qui revient tout juste d'un voyage à New York. L'aspect primitif africain de ce ballet enthousiasme particulièrement le compositeur. En effet, Milhaud voit dans cette collaboration une occasion d'expérimenter le jazz américain, qui le fascine depuis plusieurs années. D'après Milhaud, le côté primitif africain est resté profondément ancré chez les Noirs des États-Unis. La musique que Milhaud a composée pour ce ballet se situe à mi-chemin entre le jazz et le classique. La partition comporte une ouverture suivie de cinq mouvements qui se relient à chacune des phases de la création décrite dans le livret de Cendrars. Il y a premièrement l'incantation des divinités, deuxièmement, la création des règnes végétales et animales, troisièmement, la création du couple originel, quatrièmement, la recréation générée par l'étreinte du couple originel, menant cinquièmement à la création du monde. Bon, Walter est venu me voir, il m'a demandé, on va monter la création du monde, est-ce que ça t'intéresserait de faire une vidéo là-dessus? Étant donné que c'est un ballet à la base, cette pièce-là, c'est pour un ballet, ça a été dansé, chorégraphié au début du 20e siècle. Et bon, l'idée qu'il a eue de me proposer, c'était d'actualiser ce ballet-là aujourd'hui avec un ballet virtuel sur un écran. Donc, le défi qui m'a lancé, c'est de filmer des danseurs en studio
et de les manipuler dans un genre vidéo-musique pour accompagner la musique. Ensuite, il m'a ensuite proposé des danseurs, dont Marc Boivin et Shilang, qui ont accepté le projet. La création du monde de Darius Milhaud, c'est une pièce à programme. Donc, c'est vrai, il y a vraiment un sujet derrière qui dirige la pièce. C'est la création du monde. C'était pour un ballet. Donc, comme dans plusieurs ballets, il y a aussi une ouverture pendant laquelle l'orchestre joue un melting pot de ce qui va arriver plus tard. Et là, pendant cette ouverture-là, j'ai décidé de respecter la chorégraphie originale et de ne pas présenter de vidéo pendant cette première 4 minutes-là. Et d'ensuite démarrer la vidéo en même temps que le ballet aurait commencé au début du siècle s'il l'avait fait avec des vrais danseurs. Ensuite, la pièce est clairement divisée en 4 grandes sections qui correspondent aux états de la création du monde. La première section étant le chaos avant la création. Donc, c'est pour ça que ça m'a inspiré pour faire une vidéo avec constituer des 4 éléments. L'eau, le feu, la terre et l'air. Ensuite, la section qui suit, c'est la création de la faune et de la flore, des animaux, la nature. Et bon, là, c'est là que je commence à révéler des éléments plus concrets de la nature avec les arbres, les feuilles, un peu d'animaux. Ensuite, il y a la création, la naissance de l'homme et de la femme. Et ensuite, il y a le désir, parce que là, l'homme et la femme vont procréer. Et dans la dernière section, c'est l'apaisement, c'est le printemps. Alors moi, j'essaie de suivre ce programme-là dans ma vidéo et de l'imager. La question d'innovation dans le ballet La création du monde repose essentiellement dans les décors et aussi dans le fait que les danseurs étaient habillés de structures, d'imposantes structures, de carton. Et il faut s'imaginer que Milhaud, lui, de son côté, a voulu s'inspirer de la musique jazz qui venait tout juste d'arriver sur la terre européenne. Alors, en mettant ces deux éléments-là ensemble, bien, il se créait une certaine asynchronie entre la musique et les danseurs, puisque les danseurs ne pouvaient pas suivre le mouvement rythmique de la musique. La création du monde est un exemple des ballets de l'époque qui marque une rupture avec le ballet traditionnel, bien entendu. Par contre, ce sont des genres de ballets qui ont été oubliés. Certaines de ces œuvres-là ont été conservés dans le répertoire, donc joués sans nécessairement avoir l'image. Mais le fait qu'aujourd'hui qu'on produise des vidéos et des vidéos chorégraphiques, en quelque sorte, mais remet cette ambiance de la musique qui a été créée à partir et pour un ballet et pour qu'elle soit dansée. Alors on peut reproduire les liens interartistiques entre musique, danse, et aussi le visuel. Mes sources d'inspiration pour Chute libre, c'est directement un saut en parachute, en fait. C'est l'activité d'un saut en parachute qui est décrite musicalement au travers de la pièce. La structure de la pièce est d'ailleurs très simple. Elle suit les mouvements, les activités de stress vécues par un parachutiste lors de l'activité d'un saut en parachute. Donc, c'est divisé en 3 grandes étapes pendant laquelle la première étape, c'est l'ascension en avion, donc l'accumulation de tension, la montée de stress jusqu'à un point maximum au moment où il saute de l'avion. Au moment où il saute de l'avion, c'est le climax qui est au maximum, c'est le point culminant de la pièce qui est soutenu pendant 1 minute. Il y a un certain moment d'euphorie au centre, mais on garde ça pour la fin pendant le parachute, pendant la descente en parachute. Et la dernière section, c'est la descente en parachute pendant laquelle c'est l'euphorie, c'est très aérien, on part dans une autre planète. J'ai écrit une pièce, cette pièce-là a été écrite pour 9 musiciens et chefs, électroacoustiques et vidéo. Les instruments ont été choisis dans un genre relativement standard là, de l'ensemble contemporain. J'utilise aussi du piano préparé. Parce que, bon, moi, je suis pianiste de formation et j'ai fait beaucoup d'expérimentation dans ce sens-là. Donc, je suis assez à l'aise avec les techniques étendues au piano. Et d'ailleurs, je m'en sers dans la dernière section où ça devient beaucoup plus aérien pour éviter les sons percussifs. Fait que, qu'est-ce que je fais, c'est que j'utilise des fils à pêche dans le piano. Donc, ça permet d'entretenir les cordes et de faire un genre de son,
un peu comme un violoncelle, peut-être. Et parallèlement aussi, j'utilise les crins d'archet sur le vibraphone. Donc, dans la dernière section, il n'y a pas de son percussif, c'est juste des sons éthérés, des harmoniques aux cordes, des glissando, des choses comme ça. La première section, c'est une montée d'adrénaline, donc c'est vraiment un long accélérando, très progressif, couplé avec un long crescendo qui devient vraiment extrême, qui part de l'infime petit et qui va jusqu'à l'extrême dans la puissance. La vidéo reste relativement abstraite, c'est pas un documentaire sur le saut en parachute, on voit pas de parachutiste qui saute dans le vide ou des choses comme ça. C'est vraiment, ça suit le geste musical que j'avais lorsque j'ai créé la pièce. Donc j'essaie d'imager ce que la musique voulait exprimer en fait. Donc c'est des mouvements, c'est des gestuels, c'est une impression en image. Je suis intéressé à l'intégration de vidéos à ma musique parce que je pense que c'est un autre point d'ancrage duquel peut s'accrocher le spectateur pour lui exprimer nos intentions musicales, dans le fond. Je pense que c'est un moyen qui est très efficace pour exprimer l'intention précise en le mettant aussi en image, en même temps de l'entendre. Je pense que c'est indissociable, la vidéo et la musique, dans ma pièce. Je me vois mal écouter là, un long crescendo et un long accélérando pendant 10 minutes, là, en fait 6 minutes, sans avoir l'image qui l'accompagne. C'est probablement possible, mais je pense que dans ce cas-ci, ils sont indissociables parce que je les ai vraiment créés dans l'optique qu'ils se complètent à la fin. Là. Musique immergée is the result of my dreaming and imagining the composition of a piece while I'm in a natural environment, or environments plural, where there are sounds of wind, waves, birdsong, thunder, rain, etc. And I'm imagining composing in response to that as a kind of inspiration. And in fact, very often when I'm in the outdoors and listening to those sounds, I am also hearing music in parallel. So this piece is about actually finally creating that piece that I've been imagining. And it appears in many, many layers of sound. There are the natural environmental sounds. There are electroacoustic sounds that eventually make their way into the piece. And then there are the orchestral sounds. And the idea of immerger is that these things blend in and out of each other, sometimes surfacing, sometimes submerging, sometimes resurfacing. And throughout the piece, different elements, they overtake each other. And that reinforces the idea of the immersion. The piece, in terms of its form, I've applied two concepts. One, a very old one, from Baroque times even. It's like a concerto grosso, or it's in concertante form. So that means that in the instrumental ensemble, there's a group of soloists, and they include the pianist and the three percussionists, and they're like a standout group. And then the rest of the orchestra, strings, woodwinds, brass, and the audio playback sounds, they represent the ripieno, the percussion and piano, concertino, and the rest is ripieno, reinforcement, support. So that's a principle of organization of the musicians. The organization of the form is one of moment form, and that idea came from the late 1950s and early 60s. Karl Heinz Stockhausen kind of defined the concept of a moment in music being
a segment of time in which one particular kind of thing happens with a certain characteristic. And that is an isolated moment. It doesn't mean it's a moment in terms of actual moment of time as we know it by the clock, but it's a moment of experience. And actually my piece ends up being a mosaic of moments with all of this layering. I should add that there was a model for this piece many years ago for a chamber group, and I actually used sounds from the World Soundscape project that Murray Schafer was organizing at Simon Fraser University. So the first attempt at this was for a piece that used actually the sounds that the Soundscape project collected. But over a period of several years recently, I was not writing music for concerts. I was writing film music, and concert music was, because it takes a different kind of inspiration from inside, as opposed to being functional music. I only had this piece in my mind for a long time. And this piece in what I wanted to achieve was far more sophisticated than that original model. And so that's why I went to these guys, David McCallum and David Rose, who are experts in grabbing what you describe you need. And that's how that part of the piece came about. I haven't tried to imitate the sounds of nature. I've tried to create flows that go together between the instrumental and natural sounds, and created a counterpoint. I'm imagining the instrumental sounds while being in a natural setting or natural settings. And so I'm not trying to imitate them, but I'm trying to get some sense of vibration, rhythms, counterpoint, contrast, support, etc., but not imitation of nature, because the nature sounds are there. Except one place where the timpani sound a little bit like the thunder in the audio track. I decided that the conductor would have a click track, meaning that there's a measured pulse, and the quarter note throughout the entire, it's about 20 minutes long, throughout the entire piece is a quarter note equals 60. But within that, and within all of the parts, are accelerandi, decelerandi, complex rhythmic structures that seemingly don't belong to this idea of quarter note equals 60. And so that enables me to ensure that certain rhythmic things and certain hits in the music will occur with certain things that are happening in the audio playback, a thunder hit. I haven't tried to have an interplay of those rhythms so much as to reinforce or counterpoint. So it's not as though the pulsing of the rain pitter-patter is imitated in the instruments. But sometimes if there's a thunder hit, and then I want something to happen in the instruments afterwards, the click track ensures that that beat is going to happen in the right place. Thank you.